Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la célébration des DFA d'année disponible sur la VRSoja, puis on va regarder évidemment ce qu'il y a à l'intérieur comme d'habitude, et on est parti tout de suite. Alors je pense que le premier truc c'est l'émission, voilà, jusqu'au 22 janvier, vous savez ce que ça veut dire, hein, évidemment jusqu'au décompte de l'anniversaire bien sûr. Donc on a quoi, 3, 3, 2, 8. 8 DS, ok, très bien. Voilà, donc évidemment la célébration va durer quand même presque un mois, enfin quasiment 3 semaines, un petit peu plus, on est le 27, donc un petit peu plus, hein, en somme, ça fait quoi, ça fait 22, 3, 26 jours, hein, donc 26 DS en bonus de co, 26 DS avec la DS quotidienne, voilà, à peu près, grosso modo, ce que ça va donner. Alors il me semble que la célébration, je sais plus, je crois que la célébration fin d'année, il y a un truc qui va se griffer par-dessus, à un moment il y aura les step-up et tout. Il me semble, mais bon, je sais plus, mais je crois qu'il y a deux trucs distincts, enfin bon, on verra bien. Bref, parce que là, évidemment, les step-up, je pense qu'ils seront pas annoncés. Bonus de co, bien sûr, alors oui, bonus de co, normalement, vous savez, je crois qu'il donne 23 DS, tu vois, pour 2023, il me semble. Donc ça, évidemment, c'est cool, l'émission, on a vu, le double Dokkenfest qui sort à 2h du mat, du coup, a priori. Donc ça, évidemment, on a déjà vu, l'aide aux enfin, l'éveil avec les médailles en plus, très bien. Goku Namek, ouais, je sais pas, ok. Red Zone, film, bien sûr, hein, ah oui, d'accord, du coup, 1 et 2, ok, niveau 1 et 2, donc demain matin, et après, il y aura niveau 3 et 4 le 11 janvier. Ok, ok. D'accord, donc du coup, normalement, la Red Zone, bon, évidemment, je crois que c'est... Il y a quoi, c'est 5 DS par niveau, je crois, c'est tout, hein. Donc ça fait 5, 4, bah après, il y aura forcément une petite mission, genre faire tous les niveaux, tout ça, bon, on va mettre une trentaine de DS, quoi. Les deux Dokkan Event, évidemment, voilà, quelques DS, les soldes, vieux Kai, ça c'est les packs payants. Pétan Battle, on s'en fout. Battlefield, demain, j'imagine c'est ça, avec le nouveau LR. Un SBR, deux SBR déjà programmés. Ok, un extrême SBR, deux extrêmes, tu vois, c'est marrant ça quand même. Peut-être que maintenant ils sont décidés à l'annoncer plus, enfin genre voilà, ou à enchaîner un peu plus. Ok, bah ok, du coup c'est cool, ouais. Et donc il... J'allais dire évidemment le Goku SJ3 ZLR, mais non, 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 c'est Tapion Tech en fait, hein, ici. Tapion Tech, le story qui a sa refonte, donc ça c'est bien, ça va faire pas mal de DS à récupérer. Ok, le Chain Battle Hildegarn. C'est le dernier Chain Battle du coup, je crois. C'est le dernier et le Chain Battle. Non, mais me dis pas qu'il n'y a pas. Ok, retour de la zone Z Arquebout. Ouais. Et donc il n'y a pas le. Mais il est où le Goku 3 ZLR? Vous faites quoi avec ce perso? Mais qu'est-ce qui... Quoi? Il est où? Non. Non, c'est pas possible. À mon avis... Non, non, mais... il va arriver... C'est pas possible. Il faut exprès de le cacher ou c'est comment, là? Arrêtez! Sortez-le! Parce que c'est obligé à un moment donné. C'est pas possible. Déjà, le truc, il est en décalage total par rapport aux autres persos qui sont éveillés. C'est celui du même film. C'est obligé qu'ils le font maintenant, sinon ça n'a aucun sens. Mais jusqu'à où ils vont faire durer le suspense? Ce perso, il a intérêt de craquer comme pas possible, hein. Parce que là, les mecs, jusqu'au bout, le suspense. Même pas il est annoncé dans la célébration, c'est un truc de fou. Non mais jusqu'à où ils vont garder le suspense, les mecs? Bon, on verra, mais c'est pas possible. C'est impossible, mais bon, c'est ce que je vous disais par contre, hein. Normalement, ouais, il y a vraiment une célébration par-dessus, hein, pour... genre tout ce qui est step-up et tout, et puis bah, on espère Végéto Boutin, ce genre de truc. Mais le Goku 3, je pensais qu'il serait annoncé quand même dans cette célébration-là, vu que c'est... Enfin... Ouais, ou alors ici, ils vont le rajouter après, quoi. Mais ils vont peut-être le rajouter après, quoi. Mais vraiment, jusqu'au bout du bout, ils veulent pas nous le lâcher, hein. Genre, encore une fois, c'est quasiment sûr qu'ils vont le lâcher là, mais... Ils veulent pas nous confirmer, quoi. C'est fou, mais ça va être quasiment sûr. Bon, là, on est déjà à 225 DS, plus le Goku, c'est sûr et certain, plus éventuellement d'autres trucs. Pour le nouvel an, ouais, à mon avis, on peut tabler sur un bon 300 DS, je pense, facile, hein. Avant l'anniversaire, voire même plus avec le décompte et tout, quoi, mais bref, ils veulent pas nous le mettre, ils veulent pas, hein. C'est des petits malins, hein. Enfin, je sais pas, jusqu'au bout, ils veulent pas... Mais je vous jure, avec tout le temps qu'il a fallu pour qu'il passe ZDLR, il a intérêt à être bon, le frérot, hein, parce que... voire même, vous savez, au stade où on en est, vu les animations qu'on a eues, bah, refaites sa spé, hein, au pire, hein, refaites sa spé ultime. Oui, oui, mais c'est pas une blague, refaites sa spé ultime, faites encore plus joli que l'autre. Faites un chaos screen, parce que comme ça, au moins, ça compensera un peu. Moi, je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais pourquoi pas. Bref, bon, bah écoutez, donc ouais, quasiment 201 DS, il y aura d'autres trucs, hein, je pense qu'on va quasiment jusqu'à 300. Donc un contenu convenable on va dire, hein, pour l'instant, sachant qu'il y aura des trucs en plus rajoutés. Voilà, bref, on va pas faire beaucoup plus long. Affaire à suivre, je sais pas si j'invoque tout à l'heure à 2h ou demain, je sais pas encore.
Je vous tiendrai au courant, et puis voilà. Hâte de voir quand même ce fameux Goku 3. Non mais sortez-le, arrêtez là. Sortez-le et qu'il soit fort, n'est-ce pas? Bon, sur ce les amis, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!